Initiating system 1. System 1 loaded. Hey, ohayo, c'est Kunshu. Et aujourd'hui, je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer l'aventure depuis de l'épisode 50. Donc voilà, c'est l'épisode 51, la suite du gros épisode de 1 heure. Donc voilà, bon visionnage! Un peu le bordel, hein. Alors, on prend une volca pour bien se remettre dans le coup. Ça. C'est comme si j'avais trouvé un truc d'exceptionnel. Vous dites pas que j'ai trouvé un truc d'une quête mais vraiment hard. Ah, c'est autrement. Le mec il explore comme ça, il bouge dans tous les coins et il trouve un truc vraiment du summum. C'est voilà. On fout, allez, j'en ai 80 plus 99, bon, pas les steaks. Ah mais non, j'en ai 99. Là je m'en bats plus les steaks. Mais ça s'ouvre. Ça y est. Alors. Ah voilà. Alors. ABC, voilà un truc intéressant. Numéro de magazine opération secrète US Army. Plus difficile à détecter quand vous êtes déplacé furtivement. Bonus permanent. Ça, c'est vraiment le truc qu'il faut. Alors, terminal, ok. Des trucs qui pourront s'afficher sur la map si je si on lit les machins. Toujours un truc utile, on sait jamais. Non, bon, y'a rien. Mais vaut mieux quand même vérifier. Ok, là c'est un drapeau, ok d'accord. Un bon nucléaire, ok. Cartouche, ouais, je comprends bien ça, ouais. Pousse-toi, Kanigou, voilà. Donc ça, tac tac tac, ça c'est visible. Donc là il n'y a plus rien. Tac tac. Allez, on touche. PC, des cartons. Un PC explosé. C'est quoi ça? Non, ça juste un bureau. Un crayon. Ok. Allez, pousse-toi. Toi là. Je te vide. Comment vide un cochon? Tac, là peut-être il y a un truc intéressant, parce que des packs, un gant, je... allez pousse-toi, je prends 3 tonnes, ok, oula, là il y a eu, franchement il y a un truc qui a eu, oh tac tac, un truc pour passer à la vitre sous la cravache. Ok.
côté. Là, il y a un bouton, ça serait une tête à l'ouest. Ok, je sais que je porte trop de choses sur moi. Oh, tout a été. Ah ouais, c'est vrai que je l'ai complètement. J'ai pas été là ici. Non, j'ai pas été là. Machine à écrire, ok, d'accord. Entre en nord. Par rapport à manque de métal là-bas. Ok. Ça par contre ça je récupère, je lirai plus tard. Parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes. Tibia. Téléphone. Enfin un appareil photo plutôt. Oh, il y a que tel, pose-toi. Allez, on bouge. En tout cas, les super mutants ici n'embêteront plus nos humains qui sont dans le coin. Et je trouve que franchement, c'est pas mal ça. En train de guetter ce canigou, hein, c'est pas possible. Bon, on ne peut oublier que là il y a une armure. Ah, c'est joli. J'ai quand même pas mal de munitions. Bien. Je posais des trucs là, vite fait.
bric-à-brac. Alors, bouteille de sachet en bois, je les ai montés. Brossage plastique, ça je sais pas pourquoi je les ai pris. Ça je les mets comme ça, ça aurait été là. Déplacement rapide à la ville, enfin du truc normalement que j'ai fait pour la quête. C'est où c'est où déjà? Je crois que c'est vers là, non, c'est pas là. Comics, Biotech, Mosta, non, c'est vers là. Diamond City, non. Pas sûr. Là, je m'en rappelle plus où est l'endroit de louer les caravanes qui se pose là. Qu'est-ce que t'es là, l'écorcheur? Mais qu'est-ce que t'es dangereux et puissant? Regardez-moi cette gueule, franchement. Normalement c'est vers là, je crois que c'était vers l'allée du pendu. Là. Non mais... Non, il s'attaque à moi.
pousser. Ça va beaucoup m'aider ça. En tout cas c'est dans la ville. Et où ça, je m'en rappelle plus. Merde, j'ai plus pensé. Allez, on bouge. Ah bah non, c'est chiant ça. Sortir là. On va parler business. Ok. Il s'est passé quelque chose d'intéressant par ici. Si ça ne vous gêne pas, je préférerais parler à... D'accord, voyons ça. Ok, voyons qu'est-ce qu'elle a proposé et on va faire vite fait. Je vais prendre ça. Le scotch, il n'y a pas du scotch, il a mis de la colle, ok. Un truc qui coûte pas cher, je vais lui passer. Une planche. Afficher, je cours trop vite peut-être. Putain, je me saoule. Ça c'est une quête dans mes données. Peut-être ça.
J'espère que c'est là-bas, hein, parce que là franchement je suis un peu poussé. Si c'est pas ça, ben je ferai ça pour un autre épisode, hein. Ok, on va celui-là. À l'extérieur. Putain mais sérieux, c'est où? Enfin, bref, j'ai enfin réussi à trouver où c'était. Je me suis dit, attends, ça me faisait Kessler, un truc comme ça, je crois, la donneuse de quête. Donc en fait, c'est là, je crois. Donc je vais aller ici. Bon, mais je crois que quand je vais valider la quête, enfin, du moins la quête, avoir une autre quête peut-être, on sait jamais, je vais faire en sorte mais, que voilà, quoi, que ça marche. C'est quoi ce flingue? Pistolet, fusil, placement intelligent, encore plus de dégâts. Intéressant. Là, quand je vois ce joujou et puis t'es, ça fait mal. Hein. Bon. Ah, mais voilà ce que je cherchais. Ah, plus tard, j'ai mis 10 ans à le trouver. Ok, faut que je puisse parler à... Ok. Un des prisonniers m'a parlé de ce qu'ils ont enduré à l'école préparatoire. Oh, je n'avais pas été. Et vous avez fait tout ça sans personne pour vous aider, pas vrai? Voilà votre paye. 400 capsules. Qu'est-ce que le prisonnier a dit au sujet de l'école préparatoire? Le juge Zeller enlève les gens et leur fait subir un lavage de cerveau. C'est comme une secte, son armée. Pas étonnant qu'ils soient de plus en plus nombreux. Ce sont les miliciens qui vous ont aidé. Et on pourra en faire encore plus pour vous, si vous nous soutenez. C'est ça. Ça fait longtemps que les miliciens nous ont abandonnés. Et beaucoup de gens sont morts à l'époque. Écoutez, on vous doit une fière chandelle. Mais c'est loin d'être suffisant pour me convaincre de refaire confiance aux miliciens. Ok. Les miliciens ont un nouveau chef. Moi. Vous pouvez nous faire confiance. Vraiment. C'est presque tentant. Mais à part un petit souci de temps en temps, on s'en sort très bien par nous-mêmes. Alors, ce sera non. Ok. Si on en a terminé... Oui, c'est bon. Grâce à vous, les routes sont bien plus sûres désormais. Il paraît que vous avez des terres à vous. Je vais vous dire, bâtissez-y un lieu sûr où les caravanes pourront s'arrêter et tout le monde y gagnera. En tout cas, vous pouvez revenir à Bunker Hill quand vous voudrez. On vous accueillera toujours à bras ouverts. Ok. Tu fais quoi, toi?
J'ai réparé de mes mains à peu près tout ce qu'il y a ici. Alors tout est garanti. Sauf si vous avez besoin de me rapporter quelque chose. Je n'ai pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. À bientôt. Ok. Ah, mon toutou. Viens là. Il me faut un peu d'argent. On va prendre ça. On va prendre toutes les armes. Ce qui est chiant, c'est que j'ai plus. Salut. Ravi de vous revoir. Vous venez faire du troc? D'accord. Voyons ça. Vous devrez peut-être fureter un peu, mais c'est des trucs qui valent vraiment. Ah, fuck. Voilà, bon, c'est pas grave. Où attendez. Non, j'ai pas de points. J'ai tous mangé. Alors, inventaire. J'ai... Non, je crois que j'ai mangé le dernier. J'ai mangé le dernier. Peut-être si je prends ça. Bon, après ça, je crois que je le prendrai parce que. Ah ouais. Ah ouais. Ravi de vous revoir. Vous venez faire du troc? Ouais, incertitude. Troc. D'accord, voyons ça. Tout est vendu en l'état. Est-ce qu'avec ça, ça m'a amélioré? d'une capsule, hein. Non, c'est. C'est vraiment chiant. Bref, je vais vendre ce que j'ai à vendre. Donc, revolver. Ok, ça je vends, ça je vends. Hop. Ouais, ça va, bon, ça va. Ça je dois garder, silencieux. Hop. Ah, si, ça va. Alors, je vends. Bon, j'ai bien fait de manger ce machin. Comme ça, du moins, Supermass, je crois que je vais la garder parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. C'est intéressant. Ça. Il n'y a que ça que je peux lui vendre. Qu'est-ce qu'elle me donne en retour? Alors, en tenue. Non. Non. Melon, crame, ok. D'or, argent, miniature, cristal, verre, casserole, ok. Y a pas de colle ni de scotch. Ah, ça, je prends. Ok. Voilà. Bon, bah, c'est bon là. Un truc de réparation avant que je finisse là. Pardon. Il y a à boire et à manger ici. Passe pas. Bon. Ben, je vais vous laisser sur cette longue vidéo, je pense. Donc, je pense que ça ira. Hein. Salut. Un problème? Non, pas de problème, ça va. Donc voilà, je vais vous laisser là. Bon, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo à ma compagnie. C'était Kencho. Bye!